Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je reviens avec la recette de mes faritas à ma façon. Pour cela, je commence à couper des aiguillettes de poulet en petits morceaux. Une fois coupé en petits morceaux, je l'assaisonne. Je mets du sel, de l'ail, du poivre, du persil, du piment et du gingembre. Et je rajoute 2 cuillères à soupe de moutarde. Je rajoute également un filet d'huile d'olive. Une fois tout mélangé, je vais le filmer et le laisser au frigo pendant une petite heure, le temps de bien macérer. Ensuite, je passe à la découpe de mes poivrons que je vais couper en petits dés. Et je découpe également un oignon. Une fois que le tout est coupé, je mets un filet d'huile d'olive dans ma poêle et je fais revenir mes poivrons et je rajoute mon oignon. Une fois que je les ai fait revenir, je les dépose dans une assiette et je les laisse de côté pour la suite. Ensuite, je passe à la cuisson de ma viande, pareil, dans un filet d'huile d'olive et je la fais revenir. Une fois que ma viande est cuite, je la laisse de côté et je passe à la découpe de mes tomates en petits dés. Ensuite, sur une plaque de cuisson avec un papier sulfurisé, je dépose mes galettes et je les passe au four environ 5 à 7 minutes à 150 degrés. Et je vous mets la recette des galettes en haut à droite dans le petit i. Donc je les recouvre de crème et de sauce tomate. Ensuite, je rajoute mes poivrons, mes tomates et de la salade et ma viande. Et je les plie, donc vous avez plusieurs façons de pliage, je vous en ai mis 2. Donc je dépose la garniture au milieu. Nous avons fait le choix de les déguster comme ça, mais vous pouvez les passer également aux grilles. Et voilà, ma vidéo est déjà terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles recettes et de nouvelles vidéos. Si mes vidéos te plaisent, n'hésite pas à t'abonner et à activer la petite cloche pour recevoir toutes les notifications.